Bonjour tout le monde, donc on se retrouve aujourd'hui lundi pour un petit hall nose et action. Je n'étais pas censée y aller aujourd'hui, j'ai accompagné ma soeur qui ne peut pas se déplacer en ce moment, et puis ben, comme d'habitude on craque pour quelques petites choses. Donc je vais commencer par action. Donc j'ai racheté, alors je n'ai pas les prix parce que j'ai oublié de les mettre avec moi, je ne sais pas où ils sont rendus. Donc j'ai acheté des rouleaux double face. Alors moi c'est vrai que j'aime bien ceux-là. Enfin j'aime bien ceux-là. Ils sont pas mal. Enfin j'avais besoin pour un projet de cette largeur-là. Comme d'habitude il n'y en a pas. Donc du coup j'ai pris celui-ci. Ma soeur l'utilise, elle le trouve bien. Moi j'en ai, je l'utilise un peu. Pas autant que ça. Mais bon du coup je vais le... J'en ai pris deux comme ça pour remplacer le blanc. Donc voilà, deux comme ça. Et c'est vrai que franchement... Il colle super bien. J'ai repris des lingettes. Alors, pour nettoyer les plans de travail, mes outils, des choses comme ça, quand j'en ai besoin. J'ai repris... Alors... des enveloppes, comme ça. Donc, j'ai pris celle-ci. J'ai pris celle avec les cœurs, pour la Saint-Valentin. Et puis, alors, on ne voit pas très bien, mais elles sont vertes, avec les lignes. Et j'en ai pris un autre modèle que je ne trouve pas. Ah si, j'en ai pris deux autres modèles. J'ai pris celui-ci et le rose, comme ça. Donc ça c'est pour faire toujours des petits albums, des petites choses, des petites pochettes surprises, des petits albums. Qu'est-ce que j'ai pris d'autre chez eux? J'ai pris aussi, alors les pompons. J'en avais jamais pris, c'est pas la première fois qu'on les voit. J'en avais jamais pris, ma soeur en prend, je trouvais ça pas mal. C'est vrai qu'au final, même si on peut les faire nous-mêmes, bon ils sont jolis, les couleurs elles sont chouettes. Donc j'en ai pris, finalement j'ai craqué et j'en ai acheté. Et puis après, est-ce que j'ai autre chose? Ah bah si, tenez, voilà le ticket de caisse. Donc les lingettes, elles étaient à 89 centimes. Les pompons, ils étaient à 94 centimes le lot. Et les enveloppes imprimées, bon, ça n'a pas changé de prix, c'est 59 centimes, c'est toujours les mêmes prix. Et puis le scotch double face à 1,36. Et donc il y a autre chose que je n'avais pas vu, ma soeur l'avait vu sur une vidéo YouTube, moi je ne l'avais pas encore vu en vidéo, c'est les fameux bullet journal qui viennent de sortir à Action. Donc à Action Cholet, vous le trouverez en haut de l'étagère où il y a tous les livres, les cahiers, etc. Tout en haut, tout en haut, tout en haut. Ils sont positionnés tout en haut. Et il y a plusieurs modèles. Il y avait avec des flamants roses, avec des fleurs, roses avec des quadrillages. Enfin, il y avait plein de choses. Donc, le bullet journal, il était au prix de 2,16 €. Donc, autant vous dire, trois fois rien. Il est présenté comme ça. Et alors là, ce qu'on a. Donc, ça, c'est sur les premières pages. C'est un peu des exemples de mise en place, mise en page et mise en place du bullet journal. Donc, il y a plusieurs exemples de proposés. Des petits dessins qu'on peut réaliser dans le bullet journal. Donc, je trouve ça vraiment hyper bien. Et alors là, on a les fameuses pages. Alors, je ne sais pas si vous allez le voir à la vidéo, avec les petits points. Et il y a en tout, alors, parce que là, j'ai rencontré une vendeuse super sympa là-bas qui utilise et qui m'a dit qu'en termes de prix et de qualité, il était super. Donc, il y a 150 pages dedans. M'a dit franchement, enfin prenez-le, il est vraiment bien. Enfin, elle nous en a fait que des éloges. Donc, bah, merci à la vendeuse, je ne sais pas comment tu t'appelles, mais du coup, merci beaucoup pour nous avoir vanté ce produit-là. Ensuite, hein, donc c'était tout pour Action. J'ai vraiment pas fait grand-chose à Action. Je suis passée, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais à Cultura. J'ai acheté que deux choses, je n'ai pas vu grand-chose. J'ai pris des petits glue dots comme ça. C'est vrai que ça faisait longtemps que je les regardais. J'en avais pas acheté, mais il y a des fois quand je fais des projets, je me dis bah mince, ça aurait été bien d'avoir des dots. Et voilà, ça fait, alors je sais pas si vous voyez, ça fait un tout petit point de glu. Et c'est vrai que des fois, pour coller des toutes petites parties, des choses qu'on veut coller, détacher, je trouvais ça super bien. Et donc là, ils étaient à 3,49 avec moins 50%. Donc c'était plutôt intéressant. Et j'ai pris un pochoir, ce que je trouvais très sympa. Donc un Casey Art à 2,49 mais avec moins 50% dessus. Donc c'était plutôt intéressant. Ensuite, la partie nose. Donc c'est pareil, j'ai pas pris grand chose. J'ai trouvé pour mon magasin un petit présentoir à papier, carte, etc. à 39 centimes. Je pense que ça,
ça peut toujours être pratique, même derrière la caisse ou n'importe, pour ranger des papiers. Ensuite, j'ai pris des petites, épingles à nourrice comme ça. Elles sont un petit peu prunes, marronnées. On ne voit pas bien la couleur. Hein. Je suis vraiment dessus. Peut-être comme ça. Non, on ne voit pas trop bien la couleur, mais elles sont très jolies. Bon, c'est neutre. Donc à 59 centimes. J'ai pris également. Alors ça, je l'avais vu sur une vidéo. Alors c'était pas ces modèles-là, c'était encore d'autres modèles. Nous à Cholet, on avait donc des feuilles en 30-30. Donc ce modèle-là avec les petits vélos. Et donc à l'intérieur, si je me rappelle bien, il y a 12 feuilles. Et en grammage, c'est. Est-ce qu'ils en parlent du grammage? Ils ne disent pas. 150 grammes. Et non, c'est pas ça. Je peux pas vous dire. C'est pas marqué le grammage. Mais bon, voilà. Donc là, il y avait celui-ci. On avait également. Alors moi, je l'adore celui-ci. Avec les petits pompons. Donc ça va servir à mon bullet journal du coup. Je vais les garder pour l'année prochaine parce que comme j'en ai fait un cette année, celui-ci il servira pour l'année prochaine. Ensuite, un qui était assez neutre, mais je me suis dit je le prends parce que finalement ça peut passer un peu partout. Il y a des petits mots en anglais décrits, mais je veux dire en feuille de fond, ça peut être sympa. Alors celui-ci, je l'adore. Avec plein d'écritures, il est vraiment trop beau. Et là, c'est le dernier. Voilà. Il y a des choses en français. Hein. Merci, gracias, danke, merci. 5, give. Bon, il y a un peu de tout en écriture. Best, beaucoup. Danke, 5. Bon, voilà. Enfin, il y a pas mal de petites écritures. Il y a différentes langues. C'était bien. Donc, voilà. Et puis, c'est tout. J'ai rien acheté d'autre. Mais rien de rien. Non, je regarde, mais non, j'ai rien acheté d'autre. Donc, ça a été vraiment un très très court, un passage éclair dans ces deux magasins, dans trois magasins avec Cultura. Et moi, j'avais rien besoin de plus, mais bon, j'ai acheté deux trois choses quand même, et voilà. Je vais arrêter là. Je suis en train de préparer un tuto sur les shakers. Donc là, vous voyez, je vais vous montrer juste le démarrage des projets. Avec tout plein de choses partout parce que je suis en train de préparer la mise en place du tuto. Donc je vous retrouve dans la prochaine vidéo qui sera donc un tuto shaker. Bonne journée, bonne soirée et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.